La Côte d'Ivoire a décidé d'interdire la pêche dans ses eaux. Pour la pêche artisanale, ce sera du 1er au 31 juillet 2023 et pour les pêches semi-industrielles et industrielles, du 1er juillet au 31 août 2023. L'information a été rendue publique par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiémoko Touré. Soucieux de gérer les ressources halieutiques de façon concertée avec les pays de la sous-région en vue d'asseoir les bases d'une exploitation durable des pêches dont les seuls bénéficiaires sont les acteurs de la pêche industrielle et artisanale. Rassurons l'ensemble des parties prenantes qui sont les premiers bénéficiaires de la fermeture des pêches. Les stocks de poissons reconstitués à la faveur de cette mesure permettront de pêcher durablement en améliorant les revenus des pêcheurs tout en préservant leur emploi. La décision est mal perçue par certains acteurs du secteur de la pêche artisanale. C'est le cas de Kwanda Salif, vendeur de poissons au port de pêche d'Abidjan. Normalement, les décisions, comme c'est pour le gouvernement, on va suivre ça, sinon c'est pas facile. Mais un peu, on demande au gouvernement de nous donner aide. N'aka ouvert les conteneurs, ils vont venir les poissons pour pouvoir nous bénéficier un peu, sinon c'est dur. On a un peu de stock, un peu de brochets, un peu, mais c'est pas beaucoup. Ça suffit même pas. Si c'est trop, c'est une semaine, deux semaines, c'est déjà fini. Quant aux clients trouvés sur place, le constat est amer. Ce matin, je suis là parce que j'ai perdu mon père. Je suis venu faire achat pour les funérailles. Mais je fais l'amer constat de la décision que nous avons prise que le port est fermé pour un mois, le port de pêche est fermé pour un mois. Nous sommes obligés de nous rabattre sur les grossistes. D'abord, je voudrais savoir, je vais poser une question aussi. Est-ce que cette décision qui a été prise, on a fait l'état des lieux, des chambres froides, est-ce qu'on peut tenir jusqu'à cette date? De deux, le prix est vraiment, comme je dis, je fais la mer constat, c'est trop cher. Et de jour en jour, ça va s'augmenter. Nous sommes déjà au troisième jour. Déjà, c'est difficile. Notons que malgré des décennies d'efforts de conservation des océans, la viabilité des ressources halieutiques mondiales continue de diminuer. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette baisse de sa production de la pêche maritime, qui est passée de plus de 69 000 tonnes en 2003 à plus de 42 000 tonnes en 2020, soit une baisse de plus de 38 %.